avec un aigle sur le dos. Sa montre qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême, et juste à l'intérieur on lisait maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa montre qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia, dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouvait sa culotte, de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région.